Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs et pour moi de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission qui va revenir autour des 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous avons évolué ou nous avons régressé? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la sortie médiatique du chef de l'État qui a répondu à la question des Jeep et à tant d'autres questions d'actualité. On va essayer de décrypter cette communication du président de la République. On va aussi faire les points sur l'état des sièges, comment ça évolue. Est-ce que nous sommes capables de rétablir la paix dans la partie est du pays? On en parle au cours de cette émission, mais aussi la décision du gouvernement de réduire les prix des produits surgelés, une décision qui met en mal les gouvernements face à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, en sigle dirigée par Albert Yuma. Sur ces plateaux, je reçois Étienne Kabila qui signe son grand retour et à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé et Thomas. Nicolas Belair. Vraiment. Est-ce qu'on a mon chemise rouge, dessin à carte à Congo Mupanzi, na Lindalala, Batbapestanimbote, UNR, et na droite na yo, ancien drapeau à Congo, ancien drapeau à Palou, moi confusion. Bon, confusion, ça te oui, oh, d'abord, ça rouge. On va dire que ça n'est pas des rouge, oh, rouge aux Amakila. Rouge aux Amakila, il y a les martyrs de l'indépendance. Rouge, oh, il y a les martyrs et la démocratie. Avec conférence souveraine, le match des chrétiens. Rouge, oh, il y a les Makila, il y a Batou, oh, il y a Kotarana. Ba Congolais, ba kota na guerre, na mouvement AFDL pour libérer Congo. Rouge, oyo eza ba makile, ba martyr, nyonso. Na lati yango lelo parce que le temps de l'autre côté, yango na revina lata rouge oyo. Eza uniforme, il y a parti politique de l'Europe, UNR, l'Union des nationalistes pour le renouveau. Ok. Gana za fondateur à parti politique. Siège dans l'Europe. Mais na sala ki 10 ans, après to sali élection, to voté. Mpinga Kachala émet des nouveaux présidents à parti. Mais moi, avant la loi d'Afrique du Sud, j'avais constaté une trêve de toutes mes activités politiques. Dans le pays, dans le pays, dans la vision du chef de l'État. Vous comprenez? Mais dans l'article, il n'y aura pas de la souvenir de Makila. Alors, carte, il y a Congo, il y a l'Indalala. Non, non, moi, l'Indalala, c'est la paix. C'est la paix. Si Manezali, l'Union fait la force, il faut être ensemble pour lutter. Donc la lutte continue. Oh, le drapeau, c'est le drapeau. Oh, c'est parti. Le drapeau, il y a Congo, il y a Palou. Ezali, il y a Palou. Palou, il y a Palou. Ezali, Lumumba. Ezali, même si on connaît le Kokanissa, il y a le mairie Patrice Lumumba. Vous comprenez? Pour dire que le drapeau est à Tika, c'est pourquoi on a Palou, il y a un drapeau. Parce que l'autre drapeau était voté après 4 ans, si j'ai ma bise dans le Loibourg. Vous comprenez? Alors, la mémoire, la bise de Tika, drapeau, comme le drapeau du parti. Alors, dans mon IPM, il y a un peu de temps. Mon utilisme de Froy, l'invité Yaya Toulek, Joseph Kabila. Bon, en tout cas, la question est importante. Il y a la question est importante. Très bien. Alors, je préfère tout d'abord, on a sorti médiatique du président de la République. Le président Sali interview à l'objet de l'actualité, actualité, COVID-19, membre dit pas député, salaire naïe, fonctionnement et la justice. Alors, façon Ninio recevoir sortie médiatique du président de la République. Est-ce que Azaki à la hauteur, toi, d'après le président, a tapé à côté dans la réponse naï? Sincèrement, l'Alanda qui est en côté. Ok. L'Alanda qui est en côté, parce que la semaine passée, Ngandem t'a prêché à l'église. Et puis cette semaine, c'est dimanche ici, c'est moi qui vais aller prêcher encore. Azaki veut m'occuper dans ma campagne, mais qu'elle a un discours. Elle a dit discours. Le président, il m'a dit, papa député. Tu peux avoir des plutôt et des frères qui connaissent ton oreille vraiment ma grand-maman m'a la mouté. Bah, député Moussou Balouba qui est un cadeau et un président. Moussou Balouba qui est un crédit. Tu as dit président de l'Assemblée nationale, il y a un mot qui est attribué, tu as dit que c'est réellement acquis. Il n'y a pas à confirmer qu'il y a un cadeau et un président. Et le président, il y a à répondre pour dire qu'il n'y a ni cadeau ni crédit. Mais l'Assemblée nationale n'est pas à salir le mécanisme pour. À s'octroyer bah, Jeep wana. Alors, nan y'a l'objet vérité, nan y'a zoko sa, nan kata marambo wa Jeep. Bon, tome ka korobe lango ma kamoro wa batumoka ya mayele. Oebi, tome no korige d'abord na ebandeli. Leo batubi, ba Jeep. Vous comprenez? Vous savez, si la rue,
commence à éduquer la masse. Mm. Ou si les analphabètes commencent à éduquer la masse, donc pays à Kokoufa. Pour commencer, est-ce que vous trouvez ça pas Jeep? Ce ne sont même pas des Jeep. Jeep, c'est une marque d'un véhicule. Jeep, c'est une voiture de fabrication américaine. Tandis que Mitukoba Sombaki, ils ont un Hyundai. Il y a fabrication sud-coréenne, si je ne m'abuse. Et ça, Jeep, mais dans l'endroit, on a landi réseaux sociaux, on a landi ba journaux, on a landi ba journalistes, même les hommes d'État, bazolo ba oh voilà, Jeep, on a un peu de temps. Et ça, Jeep, ezaka lokola nga na tovande auto tini mwana moko esombela biso dentifrice. Yep c'est sombela nga Pepsodent. Ayo Maxam. Et c'est Maxam de Pepsodent. Mais c'est différent. Maxam est un Maxam. Pepsodent est un Pepsodent. Musu c'est la carré, c'est Colgate. Et ça Colgate. Mais comme on ngo nyonso, c'est ce qu'on appelle dentifrice. OK. Vous comprenez? Ce sont des véhicules. Et ça Jeep T. Alors tout le temps pas mécano corriger le quoi na que et ça ngo Jeep T. Ok. Ils ont un véhicule de marque hein, Hyundai. Alors, tout le temps, ils font un problème. Bon, c'est quoi? Crédit, so cadeau. Qui... Bon, je ne sais pas. Ce que c'est crédit ou bien cadeau. Tout le temps, ils ont un cadeau, ils ont un crédit. Ils ont un membre de l'Assemblée nationale. Là où tu vois, c'est que dans l'Anda qui discute le président de la République. Je ne peux pas commenter sur ce que je n'ai pas suivi. Mais dans le bacan de Balobi qui va sombrer là, qui va députer. Vous comprenez? Tout le charroi automobile à président de la République. Ils ont mis tout le temps. Ils ont mis tout le temps. Ils ont bon gars l'état des sommets qui nous touchent. Donc cela veut dire que lobby peut bazar contre le pouvoir. Il y a fait ici, bah non. Nous touchons les sommets, ça cher, ça y a été. Pourquoi sommes nous touchés? Belé bon, il doit nourrir le peuple. Sommes nous touchés? Belé pourquoi? Dans tous les pays du monde, bazar va gouverner, bazar a avantage, mon gobo. Mais seulement que bah politiciens, soit gazar la opposition, soit les qui n'ont le pouvoir, a saisi l'opportunité nuance pour tromper peuple. Oyebi na France par exemple. Sous qui est M. Hollande, ça coûte combien? Hollande est le président de la République. 8000 euros. Il faudra vérifier. Chaque mois. Vous comprenez? Il faut vérifier. Oui, le gouvernement est vérifiable. Vérifiable. Et si vous comprenez, au côté de la salaire du président américain, ils ont ok, mais l'avantage est de la côté. Vous comprenez? Cela veut dire que un député européen, aïe na Congo, a coûté. Un député congolais à l'Otamula Makolo. Ça fera l'honneur de notre pays. Mais est-ce que vous êtes député? Pardon. Policier, si bien attenu. Vous comprenez? Alors que le policier, c'est le symbole de l'autorité de l'État. Donc, bah, toi, il faut pas dans la base, il faut tout le monde respecter Bango. Cela veut dire que ceux qui, par exemple, bah, député, bah, ils ont don, ou bien ils ont crédit, il y a un gouvernement, où est le mal? Alors, est-ce que le député, déjà, un salaire moïsa consistant, et il y a 4 000, 6 000, 7 000, on peut vérifier quand le salaire est baraté. Est-ce que le député, un salaire, il y a un commissaire qui est en train de se faire? Est-ce que le député, le policier, il y a une opposition, il y a un mais si il y a un pouvoir, il y a un avantage, il y a un peu de la paix. C'est la démagogie. Il y a un peu de la paix. Il y a un député, il y a un peu. Tu sais pourquoi? Parce que chez nous, avoir un véhicule, c'est un luxe. C'est pourquoi tu as le bloc. N'a pas pu m'ouvrir le blagango et souste. C'est normal. C'est normal. L'État paye sa député moyen de déplacement. N'a pas pris exemple l'Afrique du Sud. Si j'ai parlé mais dans la Cape Town, bah députés ça fait dans la Cape Town. Mais bah député nion se paye mon bazar banda qu'on a bango dans la Cape Town. Bango tout bazar bah véhicule. N'a carburant n'a nion se bazouaka. Il y a offert à l'État. Bah le blagango t'es. Et ça, c'est normal dans tous les pays du monde. Vous comprenez? Et créer scandale, c'est bon. On a un pays où social est stable. Et ça, il y a débat, mais il y a un biseau. Autant que les enseignants ont peut-être 50 000 francs, 80 000 francs. Député, il y a 4 000 dollars, 6 000 dollars, mais il y a juste un tout cas. Baba qui s'est lié. Et pensez-vous que. C'est normal de créer moi débat, créer frustration. Ok, pensez-vous seulement que ceux qui ont les qui. Et ce qui a raison, c'est quelqu'un d'autre. Soit les qui a commis président de la République, a commis président à Sénat, le Sénat, soit le député, tous ont 500 dollars par mois. Hein? Ça, c'est de la démagogie. Bâti comme ça, et ça, les mains. Vous comprenez? Autant, même il y a les commandants hippo. Après ça, va mettre tout le cas parlementaire. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Ceux qui ont lobby, par exemple, les corruptions.
Ce qui est le but qui a pèsé ma député, est-ce que ma député se passe à l'école? Il y a un anglais, il y a la corruption, il y a un social. Député a un salaire n'est pas de colo. Maman Ndunda, a touché à combien? Il y a même la présence, elle mentionne, il y a un répondre à raté. Ma bunda va tourner à répondre à raté. Donc, il y a un tâtonnement, 4 000, 6 000, 7 000. Mais quand je expliquer dans le cadre de la réalité, dans le cadre de gauche ou bien droite, dans le cadre de la réalité, que dans tous les pays du monde. Dans la réalité, oui, mais est-ce que. Ma priorité, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont déjà plein. Ils ont garanti les soins, ils ont été en train de se faire, les matériels, les athées. 26 millions sur 27 millions, ils ont été en train de se faire. Pourquoi ils ont été en train de se faire? Vous voyez, l'histoire de Judas, la Bible, autant la Bible. Les gens qui ont offert Jésus les parfums. Alors, parfum, ton côté kangote. Ton côté kangote, vraiment, que ton nourrit, ma pauvre. Quelle avait été la réponse de Jésus? Dès lors que vous avez ça, vous avez ma bébé. Vous comprenez? C'est la campagne. C'est la campagne de Bango, le président de la République. C'est un rêve irrédentiste. Qu'il y ait élection en 2023, 2024 ou 2025, ils vont perdre les élections. Le président Fachi va gagner. Ça, je vous assure. Président, comment tu m'envoies le vaccin au AstraZeneca? Président, il est d'accord. Mais il y a un autiste qui peut se faire vacciner. Mais quand je vous explique, qui est en train de mais comment voulez-vous qu'il y ait répondu à la question de la question du président? Qu'est-ce qui prouve que le président est en train de faire? Vidéo est allée. Mais attendez, il y a un problème. Si on a dit qu'on doit tout le monde. Pour tout ça, il y a une fois, ah, le vaccin, on te le met là. Alors, le président, il y a un peu de temps aligné derrière moi. AstraZeneca, on a été pour, il y a un effet secondaire, on se bien dit. Dans le bas qui est en émission, le président Zahir a brasé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Zahir a brasé. Il avait dit que le vaccin est incontournable. Parce que pour éviter la propagation, il y a Covid. Mais, tout le monde a dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'est comme ça. Dans le bas qui est en émission, Astra, c'est un citoyen suédois. Zeneca, c'est un Britannique. Oyebi bango bazana politique a ko exiger biso to la naka biloko bango ba lobby wana. Tozo ka vaccin ba. Alors les vaccins pour mazama ka c'est un vaccin ba russe. Très bien. Le vaccin chinois. Vous comprenez? Na lobaka ngo ya de kuyendo rappeler na bango depuis kala. Ce que président aboya ngo il a raison parce que bango mo ko na porte bon de mango te. Il y a déjà va vacciner deux fois. Après azu corona pe a kofi. Très bien, tu as évolué cette fois-ci toujours en bois. Réduction ba prix ba produits surgelés. Est-ce que ça normal na mboka oyo? Mbisi azo kufa na vieillesse. Et le gouvernement abunda pour bilo le roi ba auto ben en piodi ekita. Est-ce que ça est vraiment normal? Alors que na ba mai na biso wa mbisi tondi, ezo kufa même pour na vieillesse. Mais tu les démontrer yango. Banal ba démontrer. Mais tu les démontrer yango. Ah, vraiment. Oyebi aux yeux ça. Il y a passé de 10 ans. Babando ko loba par an, plus de 42 millions de tonnes. Maintenant, ça devient à 12. Vous comprenez? Mais c'est si la carama, mais c'est diminué. Même si on a la Tanganyika, deux fois, comme ça, trois mois, bah, quand il y a un gabo, le bâté pour mbisser cola. Vous comprenez? Au moins, population, ils ont bâti ça, bâti, comme il est belé. Vous comprenez? Mais c'est comme un mouquet par rapport à la demande à bâti. Moi, j'ai vécu, dans la cour de la Tanganyika. Kala batu wana ulewa mbiswa na defaso mwiki wa 15 heures na kalemi wa mikibuka wana na zando wakumu kubwa kango. Sisu pata la sezon seche. Paske boku seche ango nige nini paske yi pleu. Ozo komprende. Melelo mbise diminuwa na laki. So wato ozo explike ke wala ebele ezo kufana jese. Eza lukuta. Ifo kupesha yu kuyana bape. Ifo kena babatu mwaka peshe yu industriel. Poba kene tina seba lo wama mbise mususu. Ozo komprende. Ezo demande mekanizmi mwako ya mwa makasi. Liko lobate ke yu wala mbise ezo pula awa. Neo. C'est pas facile à vous ambisser wana. Il faut tout bailler bambisi en gozane. Mbisi kolaka. Ils en attendent au cola, mbisi diminuaka. Vous comprenez? Na mai, c'est pourquoi bazana tant musu bakangaka même na Tanzanie bakangaka, il faut bakangi lac 3 mois tout zolo baté. Pour mbisi zota au cola après de bandu babandi pêcher de sous. Alors décision gouvernement est créée, moi sorte attention, on a bande ko ya Fédération d'entreprises du Congo, tout le ministère économie, bazo martelé que les décisions na faut ils à l'appliquer gouvernement même moi. Alors comment problème qu'on a réglé entre non, il faut les appliquer. La Fédération des entreprises. Vous voyez que, par exemple, le carton à Thomson, ils en ont combien? Je ne sais même pas les prix. Mais aux USA, ça coûte moins d'un dollar. Oui, il semble même que selon l'information. Moins d'un dollar. Même tu es à Congo, tu es à combien? 40 dollars. Mais c'est ça 50 le problème. Dollars. Donc, marge bénéficiaire, vous avez calculé en côté. Donc, pour le gouvernement, ça a raison de régulariser. Hollanda, j'ai suivi l'interview à Moïse Katumbi. Non, c'est qui pour c'est marrant. Oh. Dans l'interview, on a dit que 100 dollars,
na kizu wango bénéfice na kizu na 600 dollars. C'est une infraction. Est-ce que aibe to calculer marge bénéficiaire? Ami fundi sanga yeba. Ami fundi yema ko sanga yeba. Wele ba peur organiser ba ko kangayo. Donc au bandu ku iba. Hein? Tu fais sauver la population et l'on consomme à 100 dollars. Donc leur hôtel qui n'a pas transport na yo bilo ko nyo so 600 dollars. C'est quoi ça? C'est du vol. Mais l'État continue à l'eau comme on dit, il faut régulariser l'eau parce que marge bénéficiaire, c'est un calcul à la période du monde. Vous comprenez? C'est pourquoi l'État a dit qu'il n'a pas produit un surgelé, qu'il faut pas la balle en appris, il n'a pas exagéré pour rien. Est-ce que l'État a co-régularisé qu'il a une simple décision? Il faut mise en place, il y a politique économique, il y a vraiment un cas. Mais peut-être politique, mais politique, on a mis la banque. Vous comprenez? L'air Trump a dit ça qui va. Banani ba taxi ya ba produit à faire na si utana Europe na Chine asala kine asinye kakalo bino ifoto matisa 10% 25% et ida ki pe économie ya nani ya États-Unis ya mataki au temps de Trump. Vous comprenez? J'ai beaucoup d'amis aux yeux et ça ba ibisa inga ba lobby. En tout cas depuis que Trump est là la mesure na yo aux yeux ba réforme ya salaire économique, en tout cas misère comme facile salaire abiso e mati pona ba mesure Trump a zoa ki wana ya nani ya kumetsa ba nani ba taxi ya nani ya ba acier na ba fer ya ba autant na ba Chine na ba Europe. Vous comprenez? C'est ça les déboulonnements que le chef de l'État a dit. Développement, non, c'est le système. Vous comprenez? Les pays du monde, pour être bien développé, présents sont à côté, il y a un programme et un gouvernement. Il y a une réforme. Vous comprenez? Dans la tête du président Félix Tshisekedi, il aussi avait un projet. Il faut le tenir sur place. Ce projet économique. Alors, nous avons comme on a, parce qu'avant, c'était difficile, parce que, oui, cash FCC, Ndengezalaki, maintenant, il faut mettre en place ma projet, ma projet de société, c'est comme ça. Ce sont des réformes. Est-ce que possibilité Zali Lelo, le gouvernement Nabiso, a commencé à niveau même à frapper, bah opérateur économique, ou surfacture, produit n'avant. Mais si Ndé Loko Bazolo, Ndé Babandi, Ndé Loko surgelé, vous comprenez. Le reste, le gouvernement a un programme, il a évité ce qu'il y a une procédure, mais c'est certain que, il y a un souka parce que le peuple pleure. Le panier de la ménagère est vide entre nous. Donc le gouvernement doit faire quelque chose. Ça les légumes en casse. C'est quoi, Batoazo, Loba? Je comprends. Si vous condamnez les bas, ça qui est en côté, tu vas condamner. Les bas, une mesure, moi, pour répondre à la police suggérée, tu vas condamner. Tu vois, l'homme est toujours versatile. On comprend. C'est pourquoi. C'est pourquoi, tu sais, Jacques, dans la Bible, Jacques 7, verset 33 à 37. On comprend. Jésus dit ceci. Vous aviez Jean-Baptiste, qui ne buvait ni ne mangeait. Il ne mangeait pas du pain, il ne buvait pas du vin. Vous dites, oh, il a un démon. Le fils de l'homme arrive, il mange avec vous, il boit avec vous, vous dites, non, il aime la vie. Hein? Un ami des publicains. Tu vois comment l'homme, il condamne quelque chose en son contraire. Hein? Alors, ceux qui ont le pouvoir, ils continuent à faire ça. Vous comprenez? C'est un manque d'amour. Moi, je me souviens toujours que tout ça qui moi j'étais à l'étranger. Tout le monde disait, et ça attend moi na pousse à la présidence de la République. Mais Kabila, pourvu que Rwandais on a akende. Mais Mutwe na pouvoir, à ça attend Mutwe pousse ou hein? Mais vous autres vous êtes beaucoup condamnés. Pourquoi? Mais il faut l'aider pour changer Mboka. Ce que Félix échoue aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a perdu? Rien du tout. Le président Félix Tshisekedi n'a plus rien à perdre. Après le président de la République. C'est quoi? Il n'a plus rien à perdre. Vous comprenez? Ce que nous avons intérêt, nous, t'aurais aidé pour réussir. Mais ce qu'il y a à perdre, puis on est au perdre. Lui n'a plus rien à perdre. Très bien. Alors, revendication, il y a un opérateur économique. Revendication, il faut régulariser. Je vais expliquer un opérateur économique, il y a 100 dollars. À te dire que 600 dollars. Au moins, il faut pas régulariser à Bilo Kwana. Il faut mettre de l'ordre. Il faut que tu aies ordre dans la paix. Tu as mis à la tête à Bilo Kwana, tout Albert Yuba. Oui, il doit faire quelque chose. Très bien, on va évoluer. Tu as mis à état de siège. Décrété, ça fait donc, bah, 2 mois déjà, je crois. Au départ, il y a un résultat en haut. Tout le monde va faire un décès, va récupérer un village, va zone si rebelle si ma. Mais depuis un moment, tout le monde sentit le quoi là, moi, toi, criminalité, on sait le quoi, Romata. Il y a 1 ou 2 jours, je crois, on a encore tué à Beni, on a écouté à Yiro Mukuna. Alors finalement,
la meilleure recette ou d'abord lecture on a eu ça les années par rapport à l'état de siège. Mais état de siège, ce qu'on veut exagérer, hein? Non, on a évité la guerre, les gens ont la tuerie, bah les aïkons. Hein? La bombardée du même, je crois. Mais d'abord, quand côté, le président Fatih Akinde, a dit qu'il n'y a pas de balle. Ah, donc, ok. A zo banga, lo banga, promettra qu'il y a un coup de kosa qui a kogene na est, a ke te, tisiko, yo, te mante. A te va promettre à lo. Mais quand le président va là-bas, vous comme golba non, état de siège, ba conscience de réunité. Ba tu m'sois à quel retard, a zo l'oua ambulance. Ils n'ont pas de moyens. À quel retard par rapport à quoi? Et là, on a situé ce banda qui depuis, quand Joseph était au pouvoir. Mais il devait se préparer, ou préparer l'armée dans l'arrière, pour qu'il ne coune, ou qu'il ne coune, vous comprenez. Le président de la République a qui là-bas sur place. Les lots, tout le monde s'est appelé à l'Est. Vous avez la campagne, campagne politicienne. Si vous avez l'Est, vous avez le président de Félix Mabo, ou qu'on a les lots. Mais c'est différent de l'Est. Dans Ituri, dans Beni, dans Goma. Qu'est-ce que la campagne de la présidente Fatih Sow gagné? Le résultat, ils ont un peu de village na bango azaki basali bilanga na bango bakene sous zambate. Le loi a commencé à mourir dans le temps avec bilanga na ye azongi avant de les calme. Il y avait aussi un problème d'effectif. Oui, le village Moussou azaki basoda bazakate. Maintenant, ba ADF nanou ba vanda kakuna ko va mettre. Vous comprenez? Mais le président de la République lui-même s'est déplacé na ba zone à risque. Wana. À qui se rendre compte qu'effectif, oh, bah, non, c'est ça. Ils ont le kouta. Ils ont le kouta. Bah, ça coûte un nombre élevé alors que sur le terrain et le côté. Alors, cet argent, Bazolia. L'air à baquer, c'est effectif. Pour ne pas trop se sentir en sécurité. Mais ça ne veut pas dire que l'ennemi va baisser ma bras. Bah, ça a intérêt à c'est une guerre. Sans mon pour côté Nabiso. Tout se pelater. Bah, tout le monde, là que, sans mon tacoufi, s'il y a 10 morts du côté du gouvernement, bah, on va s'aller le côté de mon tacoufi. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. Alors, on a un état de siège au président, alors il y a passage dans le Nord Kivu et puis dans Ituri, je crois. Le président a décrit qu'il y a une mafia dans la armée. Et il y a un général, un officier armé dans le Bissou, un sarakop, un rebelle, un minouki, un munition. Est-ce que les lois sont possibles de remettre vraiment ordre dans la armée dans le Bissou? Ordre, moi je ne fais pas partie de l'armée. Je ne fais pas non plus partie du gouvernement. Mais si vous vous souvenez bien, dans la mission, on a dans le bac, on a le bac, bien que les rebelles Bazaki et Bélé Bazaki armés par le gouvernement. Ce qui est la Sud Kivu, par exemple. Qui a armé les tous si Bazan a armé qu'on a la mine? C'est le gouvernement congolais. Joseph, Amé Zitango Fort, Masunzu, Barma, tous ils ont armé Bélé. Le gouvernement a payé sa bango. Vous comprenez? Comment tu peux tenir un rapport aux alliés? Mais comment? La MONUSCO a fait un rapport contre la Missi Tango Fort qui a payé sa arme en 1-23. Il a payé un semblant de suspension et puis il a payé un matisse au grade. Mais c'est connu de tout le monde. Si vous avez un peu de temps, le président qui a découvert que vous avez un soldat, vous avez un peu de temps. Le président a payé un peu de temps. Vous comprenez? Mais il faut aller petit à petit pour avoir un peu de temps. C'est le cas où vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Autorité militaire, vous avez un peu de temps. Vous avez une autorité politique, vous avez un peu de temps. Les autorités politiques militaires, vous avez un peu de temps, vous mafia. Il faut une stratégie pour déboulonner. C'est pourquoi la présence du chef de l'État là-bas sur le terrain est important. Dans le bac, j'ai expliqué ça même aux autorités politiques militaires, la situation de l'Est, donc Ituri, Nord Kivu, c'est différent du Sud Kivu. Pourquoi? Kuna ba tuerie barbare ezali na ba force moko négative, ba force étrangère. Tandis que dans le Sud Kivu, ce sont les populations autochtones. Bazo défendre balobi so défendre mabelé na biso contre la domination tutsi. Alors na Conseil d'État, Conseil de sécurité. Il était prévu que état de siège chef de l'État ezala Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Très bien. Mais trois jours après, le chef de l'État a dit non, tu as l'état de siège dans Sud Kivu. Parce que tu as bondé la population autochtone. Vous comprenez? C'est pourquoi on est que la Sud Kivu, qu'on a l'état de siège des actes. Le gouvernement, il faut avoir une solution pour la Sud Kivu qui est différente. Là, il faut frapper fort. Vous comprenez? Avec les moyens de bord, on n'a pas de moyens, 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 on n'a pas
Très bien, monsieur Rumi, pratiquement dans Souka. Alors, rapidement, tu as joué un dossier à 61 ans, indépendance et RDC. Est-ce que 61 ans après, RDC, tu as évolué, tu as un remplacement? Apparemment, tu ne marques pas. Donc, on peut avoir quatre éléments, quatre exemples. Oui, bi problème d'abus de la candé, tu es bagaté pour bénéficier de la bafouille à y a lutte d'abus. Babunda pour l'indépendance. Après l'indépendance, on a tué Patrice Emery Lumumba. Ses compagnons de lutte, bah mais qu'est-ce qu'on continue, mais c'était fini la lutte. Vous comprenez? Et après, il y a eu quoi? Il y a eu l'union sacrée de l'opposition radicale. Dans les années 90, Gus Carli Bonde, Batunyo Soana. Vous comprenez? Babunda, conférence nationale souvenir interminable, marche de chrétiens, Batubakoufa, tout bénéficier à tes fruits, il y a Lutuana, et qui n'en a mal. Et l'AFDL est venu. L'AFDL est venu, malgré que c'était le Rwandais, bah, écoute, AFDL, Wana, Omoni, Bazamabe, bah, Rwandais, Laurent Zegaba, tu es Rwandais, c'est fini la coopération militaire rentrée chez vous. Le Congo était libre. Barundé Bazalagate. Aucun Rwandais n'était encore ici au pouvoir. Naba militaire parce que tout va qui maka. Fort par malheur, ba Congolais va qu'ils ont sur la Rwanda les sous. Na mouvement RCD. Ben on combattre les frères Congolais alors que le Congo était déjà libre. Donc tu bénéficies de la fruit à lutte ou à nion sur Anna. Bah tu vas couper inutilement. Vous comprenez? Donc comme tu es au coué, la prise de pouvoir à Hippolyte Kanam. Bien tu vas continuer les sous. Demandez soit zéro. 18 ans. Les lots, et pour lui, tu as quoi? Tu comme le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Sauf que ça, il y a attention. Tu as bénéficié de ce soutien. Tu as bénéficié de ce fruit qui a été lutté. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as bénéficié? Il faut te soutenir d'abord, Félix. Parce que le pays, tu as vu que le pays est en guerre. Lorsque le pays est en guerre, nous sommes derrière votre gouvernement, votre armée. C'est un déboulement, c'est un processus. Lutte même l'indépendance. Mais c'est la lutte, il fallait la lutte économique, il fallait continuer. Parce que les Belges disaient, après l'indépendance, égale. Avant l'indépendance, et après l'indépendance, il fallait continuer la lutte économique pour tenir les Tinasuka. C'est une bataille qui est gagnée. Autrement, le président congolais, comme si on soit contre Bandeau souhaité, il y a un Congolais qui est à la tête de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout aider. Tout aider. La différence, c'est que les pays sont totalement libres. Vous comprenez? C'est ça la meilleure des solutions. Oui, mais tout ça, c'est un sacrifice. Sacrifice. C'est l'élément essentiel de la vie. Laisse-moi vous expliquer bien placement. Le sacrifice est l'élément essentiel de la vie. Oyebi, Patrice Emery Lumumba s'est sacrifié. Il a donné la vie. C'est comme Jésus-Christ. Comme il s'est sacrifié. Il a appelé sa vie. Nalanda qui mon jeune frère, c'est qui encore? Mon anéne. Oui, bien. Gabanza. Mon anéne. Nazo, la citation qu'il y a test. Alors, bien. Oyebi, Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on l'a dit, on a aussi vie. Là, c'est la vie éternelle. Mais quelque part, là, si on doit se sacrifier sur la vie, il donne aussi la vie. Donc, Patrice Emery Lumumba, c'est le symbole de la lutte, le symbole de la vie. Si on doit se sacrifier, pour que ce sacrifice, ils allient dans l'intérêt égoïste. Le sacrifice, c'est l'intérêt communautaire. Parce qu'on se sacrifie. C'est parce qu'on ne se sacrifie pas. Tout le monde sacrifie, tout le monde a un intérêt égoïste. Ma mère me disait, Laurent disait, après la mort de Patrice Emery Lumumba, il a dit, je serai un autre Lumumba. Au moins, il y a un qui peut modèle, il y a un qui a Lumumba, il y a lutte. C'est ça l'élément essentiel, il y a un qui a vie. Il y a un sacrifice. Si on s'est sacrifié pour n'importe quoi, yo, tu trouves une solution. Bah toi, tu la pour un niya. Bah toi, c'est sacrifié, tout le monde aime vivre dans les luxes. C'est pourquoi toujours souffrir. Mais si toi, comment on s'est sacrifié? En tout cas, je vous dis sincèrement, beaucoup a changé. C'est Jésus lui-même qui a dit. Il a dit ça dans Jean chapitre 14 verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais non, je ne compare pas lutte nani Lumumba à Jésus. Jésus s'est sacrifié pour avoir
la vie éternelle. Mm. Mais tandis que, c'est pour que biso tous à la bienheureux sur la terre. Parce que Dieu nous a créés. Non, nous devons aussi bien vivre sur la terre. Exactement. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Mais la Bible. Je connais les projets que j'ai fait sur toi. Un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est vrai que nous devons aussi vivre sur la terre, nous devons vivre aussi bien sur la terre. Tout Dieu n'était pas stupide. L'air a perception de l'or, de diamant, de coltan, de maïs. Le Congo, c'est le deuxième bassin d'eau au monde après l'Amazonie. Mais toujours souffrir parce que les gens ne savent pas se sacrifier. Vous comprenez? Toujours courir derrière les intérêts égoïstes. Mais c'est au total d'intérêts communautaires. Très bien, alors deux questions pour tout aussi ces missions. Au lobby, tu bénéficieras à Tina Bafou, il y a lutte Nabiso. Il y a lutte Nabiso. Alors, effectivement. Qu'est-ce qui fait que tu bénéficieras à Bafou ou à Nate et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que enfin tu bénéficies à Bafou ou à lutte Nabiso? C'est la sorcellerie. Ah. Je te dis, c'est la sorcellerie. Il y a beaucoup de lobby qui est. Il peut être quand même c'était Rwandais. Je ne peux pas dire 100%. Mais 99% va comprendre le non. Rwandais, on a un kende. Si vous êtes Congolais comme président, vous êtes jusqu'au Congolais. Au moins, attendez la gaboué. Au moins, vous êtes dans l'école primaire. Vous êtes dans gogo. Vous êtes dans l'école Kalawana. Non, le Rwandais est parti. La différence n'a pas été. Tout est en pembe. Vous comprenez? Alors, tout bon gapon, tout bon gapon. Tout ça, nous savons fort. Mais ce que vous voulez, c'est ce que Félix, ça c'est quoi? Mais c'est la sorcellerie dans son état pur. Vous comprenez? N'aime pas si on a la tite nuit, il y a INR. Pourquoi j'ai constaté une trêve? Moi, je ne suis pas de l'île de peste. Mais je me suis référé, lorsque le grand Zerkabila a crié, il dit Atinda, ambassadeur Mboulongo, Freddy Mboulongo, ambassadeur itinéraire. Atinda Yerodia, Abdoulaye Ndombasi, Napoto, cherchez les Mobutis, c'est pas Zonga, tout ça, n'a pas de. Mais qu'est-ce que c'est la RCD? Où est-ce que c'est la sorcellerie? Mais puis, nous avons dit qu'on a eu un Kabila qui est dans le Rwandais. Mais quand ils chassent les Rwandais, si vous n'avez pas le Rwandais, vous n'avez pas le Rwandais. Vous n'avez pas le Rwandais, vous n'avez pas le Rwandais. Vous n'avez pas le Rwandais. Vous n'avez pas le Rwandais. Donc, il n'y a pas le Rwandais, il n'y a pas le Rwandais. Mais je t'ai dit, qu'il n'y a pas le Rwandais. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, vous avez dit qu'on a un mot qui a été fait pour avoir un intérêt égoïste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous bénéficier dans la lutte? Donc, c'est ça, c'est même là. Et toujours continuer quand on a des boulonnements. Vous comprenez? Moi, je soutiens. Le président l'embattait dans le déboulonnage. Il a mon soutien tout à l'unité. Il faut continuer quand on a déboulonné le système. Voilà. Et puis, ça, va zolo, t'as 2023, on a gagné l'élection. On va laisser aux 2023, au 2024, on va gagner pété. On prépare maire. On n'est pas venu prendre le pouvoir pour qu'on le ravive de suite. On prépare maire. Et Zandoto. On prépare maire. Et Zandoto. Maire a la popularité. Nan. Maire a la popularité des fouettés. Maman ni maman. Attendons voir. Naïbi Chezan Doto, c'est un révérend dentiste. Vous comprenez? Tout le monde a organisé l'élection. Il y a 2023, 2024, 2025, même si vous êtes en 2026, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis, ils vont perdre les élections. Très bien, on a largement parce débordé. Parce que tous les gens sont dans le pays. Ils sont tous dans la campagne. Bien, on a largement débordé. Alors, caméra est en mode Bolsonaro en 10 secondes. Dernier message dans la bande de Cognon sur Batalio. D'ailleurs, bande de Cognon, on a le courage pour soutenir notre gouvernement. C'est notre gouvernement. Vous comprenez? Tout soutenir notre armée, c'est notre armée. Tout ce qui a différence, c'est que d'abord, la patrie. Ne jamais trahir la patrie. Vous comprenez? Les lots, tous les gens guerre, ils ont comme contre le gouvernement. Mon cher, tu risques d'être traité pour un sorcier. Il a fallu le lobby, état de siège, l'aventure. Il a fallu le tirer pour étouffer la liberté. Ouf. Nani, le lobby, nani? Martin Fayoul. Oh, Martin Fayoulou. Ah oui, tu as des sièges, il y avait un souk en aventure. Donc, il y a un robot pour nous étouffer la liberté. Ça va? Bon, tout le monde, quand on a un micro, on a un balade. Quand on a un sud Kivu, on a un nord Kivu plutôt. Quand on a un tour, on a un sabbat qui est une aventure. Bon, on va vivre la réalité sur le terrain. Vous comprenez? L'émission est terminée, Étienne Kabila. Merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.